Alors, Donc l'explication Monsieur Damien du karstologue, le karstistologue. Bah, l'infiltration de l'eau bah, dans un environnement calcaire, bah, l'eau du ciel. Donc elle va couler sur les côtés, bah, tout ce qui est imperméable. Hein, donc les on fait ça un peu rapide, s'il te plaît. Sinon, il va donc elle s'infiltre dans le calcaire, et puis en s'infiltrant dans le calcaire, à un moment donné, bah, va falloir qu'elle sorte. Quand elle est au contact avec une roche qui est imperméable, elle va ressortir. Donc là, on est ici, fond de Deltruf. Donc il y a une rivière souterraine, ça coule, voilà. ça coule. Ça, c'est perméable, ça, c'est imperméable. Voilà. Et ça coule, et puis ça peut sortir là, Voilà. Et nous, on va rentrer dans cette veine-là, c'est ça? Ouais, on va rentrer là. Et en fait, l'eau actuellement, bah, elle peut sortir, mais elle sort un peu plus bas que par là où on va rentrer. Hein. Elle sort pas là. Des fois, ça sort, ça dégueule là. Il y a le trop-plein. Et en fait, ça sort là-bas, dans la forêt. C'est des infiltrations. Et ça va se jeter dans Louis. Dans Louis, la rivière Louis qui est ici présente, n'est-ce pas? C'est ça. Et voilà. Merci, karstostologue. Stistologue. Dentiste. Kato-kartistostologue.
il termine là, et la suite elle est là. Il n'y a pas de supérieur, ça veut dire que